Allez, bonsoir à tous. Nous sommes de retour ce soir, mercredi soir, puisque hier soir on a eu un petit problème avec Twitch. Pour nous connecter, le live a été coupé au bout de 10 minutes. On n'a absolument rien fait de l'émission, donc on va tout faire ce soir. Je suis accompagné de Gilles, encore une fois. Et je vais aller fermer ma porte pendant que tu te présentes. Eh bah écoutez, vous m'entendez quand même toutes les semaines sur deux émissions différentes. Moi c'est Gilles, alias le Daron. Je vais lui laisser à peu près 10 secondes pour fermer du coup sa porte. Tout va bien. Non, effectivement, on a eu un petit souci de live, mais on n'a pas vraiment été les seuls parce que on a vérifié après. Et quand même, beaucoup de gens qui s'en sont plaints. T'as plein de streamers qui n'ont pas pu lancer leur stream. J'en connais deux d'ailleurs qui n'ont pas pu lancer. Dino n'a pas pu lancer. 42bim n'a pas pu lancer. Et plein de gens n'ont pas. C'est pas ce qui s'est passé, mais ça a complètement explosé Twitch à moitié. Par contre, le petit truc drôle, Clément, c'est que du coup, il y a des Twitchers comme 42bim ou Dino qui sont venus en mode bah, c'est de votre faute. Vous êtes venu avec tous vos followers, vous avez fait péter le serveur et tout et tout. Ce qui m'a fait beaucoup rire parce qu'en vrai, le serveur, bon, tu peux venir avec 10, 20, 30, 40 000 personnes, normalement ça tient. C'est pas un souci, c'est pas nous qui avons fait péter les trucs. Par contre, je sais pas si c'est dû à une mise à jour, mais les gars, va falloir vous adapter chez Twitch. Vos mises à jour, va falloir peut-être les faire autrement. Et je pense que Twitch va devoir renforcer ses serveurs parce que si toutes les télés débarquent bientôt sur Twitch, ils sont pas prêts. C'est une preuve que malheureusement, ils ne sont pas encore prêts. Il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Du coup, on va voir comment ça se passe avec l'avenir. Mais bon, après, c'est Twitch. Je suis quand même confiant. Ça fait des années qu'ils font ça. Ils vont réussir, quoi. C'est clair. Alors du coup, hier soir, je vous disais, il y a eu plein de petits changements. Déjà, premièrement, ma voix. J'ai changé de micro. J'ai pris un micro de secours puisque le micro que j'utilise d'habitude a un petit problème de faux contact. On va l'envoyer à notre SAV Lou, comme on l'appelait hier soir. Ouais, prends bien. Tout a été refait, tout le PC a été refait, activé Windows 10 Pro, donc le live a été remis en place sur OBS, tout a été remis aux petits oignons, le chat est bien calibré, c'est nickel. Du coup, voilà. Dans la timeline, vous avez enfin le plan culture et puis, je sais plus ce que c'était avant, ça a enfin changé. On va dire bonjour à Lémi, comment tu vas? Salut Lémi. Après, tu as mué? Non, j'ai pas mué. Non, c'est le micro. Et d'ailleurs, si vous êtes attentif, normalement, ma voix aussi a changé. Oui, ta voix aussi. Oui, parce que Lou est venu et m'a tout réglé. En fait, il est venu, ouais. Il a regardé la carte son, il m'a dit « Putain, tu t'es pas fait chier ?» Quand il a vu la carte son micro, il fait... Il m'a regardé, il m'a fait « Et tu marchais comme ça ?» Bah ouais, il me fait « C'est triste. » Il y a eu un jugement. T'as pas réglé ça avant, je m'en occupe. Et voilà, du coup, gros merci à Lou. Putain, sans lui, cette émission n'aurait pas le grain et le son. Qu'on a. Du coup, je l'ai prévenu pour ma cave parce que si finalement on monte le studio dans la cave, je pense qu'on va avoir très très vite besoin de Lou. Trop cool. Trop bien. Bah, c'est sûr. C'est même pas, tu penses, c'est certain. On nous demande si on a la forme. Oui, mieux qu'hier. Finalement, tu vois, à décaler l'émission, on a pu dormir entre deux, ce qui est pas trop mal. Moi, j'ai. Ah, d'accord. Du coup, Clément, pour ce soir, je t'ai refait entièrement la météo et entièrement les fêtes à souhaiter. Coup, ouais. Tu peux te d'un jour, ouais. Bah du coup, ouais, forcément. Il y a eu plein de changements, vous allez le voir pendant le live à la fin. Alors on aura un poll, on en reparlera un peu plus tard. Ça sera un petit vote qui se fera pendant la dernière musique de fin, on n'en parlera même pas. Hein. C'est vraiment, vous allez voter, mais je vous expliquerai ça un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau? On a des petites nouveautés sur le live, des transitions, des jingles. On va mettre des jingles, c'est des jingles un peu éclatés, il n'y en a que trois. Mais c'est pour faire des tests, pour s'entraîner. Donc ça ira. Puis il y a tout, du coup aujourd'hui, suite au problème d'hier, j'ai mis... c'est pour ça que vous avez la vidéo en 480 ou je sais plus, une valeur un peu dégueulasse. Parce que c'est adapté un peu à la connexion que j'ai en ce moment. Donc ça changera quand j'aurai la fibre, bien sûr. Mais ça vous permet d'avoir un live normalement qui ne lag pas. Là, j'ai que 10% d'images perdues comparé à hier où j'en avais 60. Ah ouais, donc c'est... les réglages sont assez vénères. On nous dit que c'est Saint-Patrick aujourd'hui. Eh oui, c'est Saint-Patrick. Du coup, je bois dans une tasse Guinness. Une vraie tasse qui vient de là-bas en plus, achetée dans la tour Guinness. Donc voilà, j'ai mon petit café au lait dedans parce que bon, je suis pas très, je viens de me le boire moi, pour le coup. Dernière petite nouveauté sur le live, vous allez avoir un petit pop-up de temps en temps qui va s'apparaître. Je crois que c'est toutes les 15 minutes pendant 15 secondes. C'est pour vous annoncer le nouveau site qui est disponible. Voilà, c'est des petits trucs qu'il y aura quand on aura des actus à vous faire passer et tout. Donc ça commence à arriver petit à petit. Surtout que tu lui as refait. Voilà. Il arrive là, pile au moment où j'en parle, il apparaît. Donc c'est parfait. Ah, en plus, t'as refait une beauté à ce site. Hein. Il est vraiment tout mignon, tout beau maintenant. C'est assez fou ce que t'as fait. Alors, je sais pas pourquoi il apparaît deux fois. Il y a un bug. Enfin, il y a possiblement des bugs aussi. Hein. Faut pas
pas faire attention, tout a été mis en place récemment, vous avez l'habitude. Et je sais pas Tu si sais. tu veux, avant de commencer l'émission, parler du projet qu'on vient de terminer aujourd'hui qui va arriver bientôt ou pas. Alors, si j'allais informer aussi un truc, c'est qu'il y a un truc dans cette émission qui ne fonctionne pas dans l'émission du vendredi, c'est le chat. Le chat à l'écran fonctionne là, mais pas dans celle de vendredi. Comme Ah oui. quoi, bon, on apprend tous les jours. Oui. Alors, ça devra arriver normalement demain sur les réseaux sociaux. Vous le savez qu'il y a une SAN mythique à Nantes qui est en train de couler. Elle s'appelle le Ferrailleur. Et pourtant, elle a tout essayé parce qu'elle avait essayé de monter des émissions télé. Elle avait essayé de monter des concerts en live. Hein, bref, ils ont tout fait pour essayer de trouver cette salle mythique. On a reçu une demande de coup de main pour parler de leur projet qui s'appelait 1 km de shot. Et donc, bah, on a forcément craqué parce que cette salle mythique, on est désolé, mais Nantes, on a Marie qui est là-bas, une ancienne de Fréquence Métal. On ne se voyait pas laisser la salle mourir alors que Marie est à côté et adore cette salle de concert. Voilà, big up à Marie. On ne voyait pas sans solidarité, nous. Donc, forcément, on a porté le projet à bout de bras. Et normalement, dans les réseaux sociaux, va apparaître une petite vidéo qu'on a tournée avec une bonne partie de l'équipe pour soutenir. Et normalement, demain, je vais aussi faire un don à l'association avec Fréquence Métal. Mais en fait, À on va cette... faire, pour vous expliquer un peu le concept, parce qu'on n'a pas trop expliqué, mais en gros, c'est un système de shot virtuel, c'est-à-dire que vous avez 4 possibilités de dons. Je ne sais plus les tarots, mais je crois que le plus gros, c'est 20 euros, c'est ce qu'on va faire. Et chaque, il Pardon. y a 4 trucs, en fait. Soit vous commandez, je crois que c'est 1 shot, 5 shots, 10 shots et 20 shots. Ou non, il y a un truc du genre, enfin, non, je crois que c'est 10 shots maximum. Et en gros, vous commandez ces shots en faisant un don, et ça vous permet, par exemple, si vous avez fait un don de 20 euros, vous obtenez 10 shots virtuels à distribuer auprès de vos potes sur les réseaux sociaux. Donc vous allez taguer 10 de vos potes qui vont faire la même chose. Du coup, on va taguer 10 groupes. On ne sait pas qui Donc encore, mais on voilà, va nous taguer. on a fait un don de 20 euros, on va faire un don de 20 euros, il y aura cette petite vidéo. Sur cette vidéo, on va taguer 10 groupes et je les invite à du coup lancer ce mouvement et créer cette chaîne pour espérer atteindre les 1 km de shot et du coup récolter 20 000 euros, je crois, C'est ça, ouais. pour le faire ailleurs et ainsi sauver cette petite salle, quoi. Et d'ailleurs, Cette Chouki, petite... si tu as le lien du 1 km de shot, je t'invite à le mettre dans le chat, ça peut être cool pour ceux que ça intéresse. Ça peut être sympa Super, de y a pas faire de un soucis. petit. C'est pas grand-chose, même si c'est un shot, je crois que c'est 2 euros ou c'est rien du tout, quoi. Donc, si ça peut permettre d'aider. D'ailleurs, moi, je voudrais remercier notre nouvelle équipe communication parce qu'au début, on avait juste dans l'idée de repartager la page, hein, qui est mettre de shot en mode voilà, ils ont donné un coup de main. Et c'est notre équipe qui a dit, mais les gars, pourquoi on en profite pas pour faire une vidéo? Après tout, on a tous une webcam, machin et tout. Et là, on s'est regardé tous, je crois que même si c'était par caméra interférée ou par ordinateur, on s'est tous regardé dans les yeux en mode ouais! Et du coup, on en a profité pour faire une vidéo, voilà, où on se fend un peu plus la gueule, où on a voulu se faire ce petit délire en équipe. Et bah, j'espère que ça vous plaira parce qu'en tout cas, on s'est bien marré à le faire. Et ça doit, j'espère que, ouais, franchement, j'espère sincèrement que ça vous plaira. Nous, en tout cas, on s'est éclaté, c'est pour la bonne cause, on va faire un don parce que je ne voyais pas faire autrement. Et on va essayer de sauver cette salle parce que j'y ai jamais foutu les pieds. Et pourtant, j'aimerais aller voir quelques concerts là-bas. C'est une putain de salle mythique, quoi. Ouais, bah t'as trouvé, Chouki. C'est le deuxième lien que Chouki avait envoyé dans le chat, exactement. Là, Tu déchires, Chouki. ils sont à 19% pour l'instant, il leur reste 12 jours, donc je vous invite à partager, même si vous faites pas de dons, partagez à balle. C'est hyper important, quoi. Voilà, c'était le C'est petit clairement. aparté. Petit Ouais, aparté, parce que audible, si pardon. on peut aider à une petite mesure, bah on le fait, quoi, parce que c'est. On traverse une période qui n'a jamais été traversée encore, enfin, du moins dans les époques modernes, on va dire. On tombe sur quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant et bah, il va falloir plus que toujours continuer à se serrer les coudes, parce qu'on ne va pas se mentir, cette année, elle va se faire encore sans concert et festival, faut pas rêver. Bah, c'est sûr. Clairement. Si on peut filer un coup de main avec une vidéo à la con et un don, bah moi je suis chaud. C'est clair. Voilà. C'est clair, c'est clair. Alors, du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme d'habitude. On va s'écouter de la bonne musique. On va faire des actualités. Des actualités qui vont être rapides ce soir, puisque c'est beaucoup de sorties d'albums ou de singles. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Gilles, toi, t'as prévu la météo, le plan culture, le chat roulette. J'ai un point G, on va avoir le cadenas comme d'habitude. Et puis, tu m'as lancé un défi la semaine dernière. Je sais pas si tu veux Malheureusement, oui. rappeler ce que c'était. Ah putain, c'était une chanson de. Oh, je t'avais trouvé une C'est chanson. Une décalé chanteuse. Guada, pour te dire vrai, mais. Et voilà. Décolé Gado, mais en version métal.
Et c'était peut-être un peu chaud à trouver, finalement. Bah, c'est surtout que ça n'existe pas. Ah, est-ce qu'un groupe qu'on connaît veut se lancer dans ce défi? Ça, c'est la question. Voilà. Mais du coup, pour combler ce manque, j'ai trouvé un morceau qui est une reprise de... faut que je vous retrouve le nom, d'ailleurs. Attendez, je ne l'ai plus sous les yeux. C'est un morceau, c'est une reprise de Lou Howard avec Mrs. Ye Ye. Ils ont repris Anissa de Weshden en version metalcore. Du coup, on s'écoutera ça plus tard dans la soirée. C'est le petit plaisir, le petit cadeau. On sent que t'as pas l'habitude de cette musique-là parce que t'as cherché l'artiste, tu sais. L'artiste, je l'avais. Non, j'avais l'artiste, mais c'était la personne qui a fait la reprise que je n'avais pas. Et en tout cas, cette reprise, ça paraît con, mais la chanson de base, je l'apprécie pas tant plus que ça parce que c'est pas que je la trouve pas bien, c'est juste que ça m'intéresse pas, c'est pas mon style. Autant la reprise, merde, quand tu vois l'effort qu'ils ont fait et ce que ça donne, j'applaudis. Il y a Metal Guy qui nous fait Hello sur Weshden. Ah. Ah merde, je me suis gouré d'émission. Bien écoute, bienvenue Metal Guy. Ah, merci beaucoup Lémi pour ton petit commentaire, ça fait plaisir de... Mais ça fait plaisir de vous voir. Heureusement que vous êtes là aussi. Ça, ouais. Nous, ça fait plaisir de te dire que hier on a annulé, on a dit à tout le monde bah, on se retrouve demain et que là on voit le chat qui bouge et qui papote. C'est-à-dire que vous êtes là au rendez-vous et je veux dire, c'est un putain de compliment pour nous. Parce que c'est pas mardi, c'est pas l'habitude, on décale ça à l'arrache et vous venez quand même. Ah non, le plaisir, gros plaisir. Mais t'as le gars qui rigole. Ah, j'avoue que tu démarres Fréquence Pédote, tu tombes sur Weshden. Ok, j'ai dû me gourer, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pété un plomb. Non, non, tout va bien, non, c'est une reprise. Pas tout de suite, t'inquiète, c'est pas sur ton arrivée, ça sera plus tard dans la soirée. Ça sera le petit easter egg, le petit cadeau de Pâques. Eh, c'est bientôt Pâques en fait. Vas-y, le cadeau de la Saint-Patrick, ça passe. T'sais, c'est le petit truc, c'est ton petit plaisir bourré. C'est comme le petit plaisir privé, mais bourré, voilà. Putain, est-ce que ça... Je viens d'avoir une idée de concept d'émission pour bientôt. Est-ce que ça te dit qu'on fasse une spéciale pack avec que des easter eggs? Ah, je suis chaud. Vas-y, je suis... Allez, ça va être temps. Vas-y, on va essayer de faire ça. Ça marche. Oh, putain, le chat qui nous donne des idées d'émission con, vous êtes parfait. Je vous aime, le chat. Allez, du coup, nous, on va s'écouter un premier morceau. On va s'écouter Savior, Amber, puis on revient juste après pour les actualités Metalcore. Au nord, il y avait les coreux. À tout de suite. Reste à l'écoute, on revient juste après ça. We fucking talked for hours. Fade away.
Vous êtes bien à l'écoute de Glamcore, nous sommes sur Fréquence Métal. Et oui, Gilles. Oui. Ah non, je croyais que tu... Non, bah non, je croyais que tu allais dire... Non, non, alors j'ai eu une petite frayeur parce que du coup, j'étais sur ma carte en train de bidouiller un truc, tu vois, pour pouvoir écouter la musique sans qu'il y ait un doublon sur le live. Et à un moment donné, je me rends compte que tu parles et que je t'entends alors que normalement, le chat mic, donc le truc chat est coupé. Et je me dis, attends, comment ça se fait que... Je réappuie dessus et là, tu parles pas et je me dis, attends, j'ai rallumé et là, ça le coupe. Et tu sais, pendant 2 secondes, mon cerveau, il a brain fuck en mode, mais qu'est-ce que je viens de faire? Touche pas la carte son ce soir, on va te perdre. Ça va être compliqué. Ah non, c'est bon, t'inquiète. J'ai trouvé peut-être un moyen. Mais j'apprends, tu vois. Finalement, c'est un métier que je connais pas. J'apprends petit à petit, c'est cool. Merci pour les compliments. On a bossé... Enfin, surtout, j'ai bossé sur OBS pour essayer de régler ce problème et essayer d'augmenter la fluidité du live, même si on perd en qualité. Demain, 18h, rendez-vous pour la fibre. Ça va être incroyable. Ça oh putain, incroyable. J'ai tellement envie de savoir ce que ça va donner, ça. Ouais, moi aussi. On verra. Parce que si vraiment t'as une grosse connexion, ça veut dire que certainement ce sera toi qui diffusera toutes les émissions. Donc Clément, qui est spécialisé dans l'image, va pouvoir toutes les diffuser et vous faire des trucs de malade. Moi, j'aurais plus ce côté, je flippe parce que je sais pas où j'appuie, parce que je vois pas mes écrans. Du coup, je vais pouvoir juste faire l'animateur et ça va juste 10 fois mieux qu'avant, quoi. Il y a moyen de faire un truc 10 fois plus fort. Il y a Métallier qui nous dit on reportera donc l'émission demain si le bidouille la carte son. non, parce que moi c'est pas grave, t'inquiète pas. Comme j'ai pas le droit de bosser encore, j'ai tout le jeudi pour réparer ça, tout va bien. On a tenu plus longtemps qu'hier déjà. Alors, les actualités Metalcore, et je n'ai plus mon jingle, je l'ai perdu à ma grande tristesse puisque j'ai refait mon PC. Il va falloir que j'en retrouve un autre. Du coup, on commence avec le groupe August Burns Red, et on en avait parlé vite fait hier, avant qu'il y ait un problème, qui a fait une reprise du thème Westworld. Groupe en ce moment qui est plutôt occupé et qui fait plein de trucs. Ils font beaucoup de reprises de leurs anciennes chansons, ils font des reprises de System of a Down, et ils vont notamment d'ailleurs passer dans un prochain épisode de NCIS Los Angeles. Je sais pas si tu étais au courant, par le fait que je te l'ai dit hier soir, Gilles. Comme je te dis, à part que je l'ai entendu hier, non, pas du tout, parce que je suis pas NCIS. Mais je ne savais pas du tout pour ça, et du coup, ça m'a intrigué, et je suis allé me renseigner cet après-midi. Ouais, alors du coup, si vous voulez regarder la reprise de Westworld, elle est disponible sur la chaîne YouTube du groupe. Pour information, le dernier album de August Burns Red, qui s'appelle Guardians, que je n'ai pas du tout dans la base de données, et d'ailleurs, on pourra le faire en vote. Je vais vous expliquer, ça fait une bonne transition pour les votes. Il est sorti récemment, 3 avril 2020, enfin récemment, l'année dernière, j'ai l'impression que c'était il n'y a pas longtemps, mais en vrai si, c'est déjà un an. Voilà, sorti 3 avril 2020 via Fearless Records. Putain, j'ai l'impression que c'était l'année dernière à cause du Covid et tout. Genre c'est passé super vite l'année. C'est un délire. Je te rassure, le groupe qu'on a vu de vendredi, ça fait 2 ans qu'on les a pas vus. Quand je leur ai dit, ils m'ont fait 2 ans, t'es sûr de ta connerie? Ouais. Ça passe beaucoup trop vite. Et surtout, on a perdu un an de notre vie, donc c'est forcément tout est décalé quoi. Ça passe beaucoup trop vite. Pourquoi je vous disais vote? Du coup, parce que pendant le générique de fin, pendant le moment du morceau cool, qui n'est pas un morceau cool, mais un morceau de métal, enfin, je sais plus, un truc du genre, quoi. Le mec, il se perd dans le nom de sa chronique. Il invente une chronique, mais il arrive à se bugger avec ses propres chroniques, tu sais, ça tourne en rond. Enfin, elle est indisable, celle-là, c'est chiant. Et non, c'est la chronique, c'est un morceau cool dans une émission, un morceau cool qui n'est pas du métal. Un morceau de métal dans une émission de métal, c'est ça. On a réussi à deux. Faut être 2 cerveaux pour le dire, putain, c'est chaud. Du coup, voilà, pendant cette période-là, il y aura un petit vote qui apparaîtra à l'écran. Ça opposera à chaque fois un album de glam metal à un album de core. Ça s'appelle Glam versus Core. Tout simplement, vous allez voter. Il y aura aussi un sondage que vous pourrez faire. Vous avez l'habitude, comme pour le chat roulette, dans le chat. Et vous allez voter pour le prochain album qu'on inclura dans la base de données et qu'on pourra écouter les semaines suivantes. Voilà, comme ça, ça vous permet aussi de participer un peu à la création de ce qu'on écoute. Je sais pas si c'était clair, mais... Non, mais oui, clairement, ça leur permet de participer encore plus directement à l'émission, puisque déjà, toutes les émissions ont été créées, modifiées grâce à vous, puisque c'est vos retours qui nous font dire que « Ah oui, là, on a fait de la merde, il faut qu'on fasse mieux ». Mais là, ça vous permet d'avoir un impact direct en fin d'émission pour la prochaine. Donc, c'est plutôt cool, en fait. Clairement,
Clairement, clairement. Alors, on continue vite fait ce petit tour des actus. On a Aera qui publie un nouveau single qui s'appelle Shadow Autonomous. On a Currents, le groupe Currents, on en a parlé. Je sais pas si vous en rappelez. Attention, allez écouter ce groupe. C'est un très bon groupe. Qui sort un clip vidéo pour le clip Kill the Ashes. Morceau dont lequel aussi on a parlé, qui est très très bon. Du coup, allez voir le clip parce que c'est trop cool. On a Sion, est-ce que vous vous rappelez du groupe Sion? On en a parlé il y a 5-6 semaines. S-I-O-N. Oui, c'est dans Matrix, c'est la dernière cité des humains. Non, du tout, c'est le groupe de Howard Jones et de Jared Dines, qui est Jared Dines, le youtubeur, et Howard Jones, chanteur de Killswitch Engage, enfin ancien chanteur. Ils viennent de sortir, du coup, on a annoncé la création de ce petit groupe là, un peu particulier. Du coup, ils viennent de sortir leur premier single qui s'appelle The Blade, qui est du coup disponible sur la chaîne YouTube de Sion. Donc c'est très cool aussi. Et le morceau vaut le détour. Donc, est-ce que vous voulez que je vous partage le lien? À tout hasard, comme ça. Oui, moi je... Dites-moi. Tac, copier le lien, c'est bon, on est parti, ça part. Tac, voilà, c'est parti. Alors, Novelist FR, est-ce qu'il y a des fans de Novelist FR? Ah. Oui, moi oui. Novelist, là, qui vient ce 12 mars de publier un nouveau single qui s'appelle Terroriste. Mais j'ai envie de dire, allez l'écouter aussi, je vais vous dire ça sur toute la chronique, ça va être chiant, mais c'est que des putains de morceaux. Ah, donc... tu le dis en début de chronique et après tu le répètes pas. Ouais, ben voilà, mais c'est la fin en fait, c'était le dernier truc, donc... Ah non, si, pardon. Pardon, mais je peux pas vous dire d'aller écouter parce qu'il est pas encore sorti. Mais c'est Born of Osiris qui va sortir un nouveau single qui s'appelle White Nile qui sortira cette semaine. Mais je sais pas s'il est sorti encore, j'ai pas été revérifié aujourd'hui. Hier, je sais qu'il était pas sorti. J'ai tellement hâte, Born of Osiris, ça fait partie des groupes qui me hype très très vite. Mais vraiment. Eh bien, voilà. Il y a Metalga qui dit, moi, est-ce que tu as été écouté Terroriste, du coup, de Novelist ou pas? Je pense que je vais me le faire dès qu'on a fini l'émission. Du coup. Eh ben ouais, pourquoi pas. Carrément. Novelist, en plus d'être très bon, Novelist, c'est un groupe qui a l'air adorable et qui communique en plus avec ses fans. Et ça, je trouve ça super cool qu'à leur niveau, ils continuent à communiquer tranquillement avec leurs fans. Quoi. C'est ouais. J'aime beaucoup. Mais ils avaient arrêté pendant un petit moment, je crois. Ouais, ils ont fait une petite pause, ouais, effectivement. Mais ils avaient besoin aussi. Quand tu vois ce qu'ils avaient enchaîné, putain. Ah, il dit pas encore. Eh bien, écoute, on va rattraper ça tous ensemble. Voilà, on s'écoute. Mais je vais pas le passer ce soir parce que je l'ai pas, mais allez-y. Non, quoi. Mais ça, après l'émission, on va être plusieurs à aller sur le clip. Ah oui, oui, je pense. Ouais. Vous allez faire bugger YouTube. Lol. Ah, en tout cas, petit truc sur le live, Clément, j'ai le retour en direct et il n'y a pas une fois où il a coupé. Donc, la qualité audio n'est peut-être pas folle, mais c'est le mieux que je puisse faire, je suis désolé. Ouais, tant que l'audio est propre, pour l'instant ça va. Si l'image est un peu floue, bon, vous voyez toujours que c'est le logo avec ma tête de psychopathe, donc tout va bien à ce niveau-là. Mais tant que l'audio tient, c'est cool. Alors, on a du coup, du côté des glameux, pas énormément de choses, même rien du tout, puisque tu m'as pris mon actu la semaine dernière, vendredi soir. Donc je vais pas vous reparler de Motley Crue, ça sert à rien. Ça a déjà été en même temps, l'actu en général dans le monde du métal en ce moment, je t'avouerais qu'elle est un peu... Quand tu tombes sur les webzines et que tu commences à faire du top 10 des photos des mecs qui jouent sur les plus grandes guitares du monde, tu fais ouais, là il n'y a vraiment plus rien quand même. Il y a Shuki qui nous dit normalement White Nail était écoutable aujourd'hui à 17h. Ouais, hier c'était pas écoutable, mais du coup j'ai pas regardé aujourd'hui. Donc si tu le dis, allez-y quoi. J'sais pas, salut Warrior, bonsoir. Salut Warrior, j'espère que tu vas bien. Non, bah après, il y a eu un petit pépin. Hier, il y a eu gros pépin sur Twitch, mais ça a suivi avec un pépin sur Instagram. Et je crois que dans la nuit, il y a une partie de YouTube qui est tombée aussi. Donc, ça se trouve, ils ont décalé aussi. Alors, on sait pas trop. Lémi qui nous dit Novelist devrait venir dans un festival qui est... devait plutôt, je pense, venir dans un festival qui était prévu en juillet dernier et qui a été reporté pour cet été normalement. Alors, cet été, on croise les doigts, mais je veux pas te... Oh là là, je suis tellement défaitiste à ce niveau-là, moi. Moi aussi. Mais vraiment. Je veux pas... Bon, bref, on va pas être défaitiste, mais moi. Bon, alors, du côté des glameux, pas grand-chose. Ça va être très rapide. Vous allez voir, la timeline va très vite changer. Ah, voilà, puisque... c'est fini. Voilà, bah, en fait, ça va être tout simplement pour les pour les fans de Rob Halford et de Judas Priest.
ou Judas Priest pour les aficionados du franglais. Voilà, bon bah du coup l'autobiographie de Rob Halford qui est enfin disponible en français. Ah cool. S'il y a des fans, qui est sortie fin septembre via Hachette Books. Je pense qu'elle est trouvable un peu partout. J'ai pas été vérifié, je vous avoue. Je suis pas un grand fanat de lecture. De base, j'aime beaucoup lire les autobiographies, mais je suis pas un ultra fan de Rob Halford, donc je me suis pas tellement renseigné par rapport à ça. Mais je voulais vous dire. Moi, si je peux pas la lire à cause de mes yeux, je l'achèterais bien pour la lire plus tard. Parce que Rob Halford, il a quand même ouvert pas mal de portes et il a ouvert aussi pas mal de tolérance dans le monde du métal. Au vu de toute façon bon, qu'il est gay, qu'il s'en est jamais, enfin qu'il s'en est pas, oui non, jamais, quasiment jamais caché, qu'il l'assume à un point que c'est juste regarder son Instagram, c'est juste génial, il en a mais strictement rien à foutre. Je pense que je dirais ça parce que il était dans une période quand même au tout début qui était pas vraiment ouverte d'esprit quoi. Il a dû en prendre plein sa gueule et il a amené une tolérance et un respect que un respect à vie pour lui. Tu vois, il l'a fait et je pense vraiment qu'il a amené beaucoup de choses et il faudrait que je lise ça. Tu vois, pour je ne savais que... pas tout ça, mais du coup, j'irai lire par curiosité quand même. Ah oui, tu vois, il y a Metal Gear qui fait son Instagram et t'as mourir de rire. Mais oui, Rob Halford, c'est, je ne sais pas, aujourd'hui, il arrive au jour, aujourd'hui, c'est Licorne Day et il a un masque de licorne et il va se taper une barre. Ou alors, il fait une photo de face où il est en cuir et super si, classe. En vrai, j'irai bien le lire parce que c'est vrai que je ne vous ai pas dit la petite note, mais ça a été décrit par... par lui dans une interview comme étant anecdote, révélation, autodérision et sincérité sont au menu de ce livre passionnant. Un livre à la gloire et à la puissance du heavy metal. Voilà. Ah ouais. C'est plutôt vendeur au final. Excusez-moi, sincèrement... je dis du caca. Ah non mais après, t'as envie de lire, t'as envie de pas lire, ça enfin, je veux dire, tu peux aussi passer ton temps à autre chose, t'es pas obligé de le prendre. Mais bon, au moins pour les anecdotes, parce qu'il a dû en chier en début. Et, ouais, c'est clair. C'est un mec qui a une autodérision, mais qui est, comme je disais, hein, il fait une photo tout en cuir badass de face, tu le vois tout en cuir badass. Il fait la même photo de dos, tu vois juste des trous dans son pantalon pour montrer son cul. Et ça fait mourir de rire tout le monde. Et lui, il est mort de rire aussi. Il a une autodérision qui amène le respect et la tolérance à un point que je pense qu'on avait jamais, qu'on avait rarement vu, genre dans les années 70, tu vois. Que 70 quand les gays c'était forcément c'est le sida, ils étaient considérés comme maladie mentale et compagnie, et le mec a traversé tout ça et juste pour ça je trouve que j'ai bien envie d'aller voir, savoir comment il a vécu tout ça, comment il a traversé tout ça et savoir comment il a réussi à changer un peu les choses à sa manière. Ouais. Voilà, dommage par contre que j'ai des mauvais yeux, dommage. On va essayer de faire comme on peut. Du coup voilà pour ces petits ces petites actus de ce soir. C'est pas extrêmement fourni, mais bon, voilà, c'est moi je suis fourni, ça arrive. Eh bien, écoute, tu es fourni, donc je te laisserai vider juste après la pause musicale. Ça sera le moment d'aglaglam. On va s'écouter du Crash Diet, et puis on enchaînera sur un petit Wage War. À tout de suite. We'll be right back.
Allez, on est de retour sur l'antenne de Fréquence Métal. Je suis désolé, je me suis trompé de scène. Et je pensais que la musique était terminée, mais comme c'est Gilles qui l'écoute, bah ça m'a fait une boucle. Donc, désolé. Oh. Ah merde, désolé. Couper mon micro, ça aurait pas dû te faire une boucle, normalement. Ah bon, 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 on verra. Alors du coup, est-ce que t'es prêt pour la glaglam ? Oui, bien sûr, bah oui, c'est à toi, du coup. Alors du coup, ce soir, on sait tous hein, qu'un paysage des plus banals peut parfois cacher le plus beau des trésors. Et bah, ce sera le cas de la météo de ce soir, je l'annonce tout de suite. La pluie et les nuages seront partout en France cette nuit avec des températures allant de 3 à 7 degrés. Bah ouais, c'est terriblement banal, c'est plutôt habituel. Mais en vérité, les températures dans l'ensemble se réchauffent et donc bientôt nous pourrons ressortir les shorts, les jupes, les kilts et c'est ça le trésor de cette météo ce soir. Mais du coup, mon petit Clément, est-ce que pourquoi un trésor peut exister dans un prénom ou une paire de seins? Une paire de seins et ça y est, hein, espèce de vieux dégueu. J'ai pas le droit de dire ça, putain. Est-ce que ton nom, Clément, est une pépite dorée? Est-ce que c'est un téton doré? Je ne sais pas, je ne connais, mais je connais les fêtes de demain que nous allons souhaiter. Alors du coup, nous souhaiterons une bonne fête demain à tous les Cyriel, Cyril, Cyrilla, Dorita, c'est un nom, pas que des chips. Kirill, c'est pas que un manga, ça existe aussi. Et Salvador, bah oui, Salvador Dali, on se souvient tous. Et bien sûr, nous allons souhaiter une bonne fête à Cyril Astiel. Il n'a rien à voir avec la famille Kaamelott, pas du tout, même si c'est bougrement bien manier l'épée à deux mains. Mais ça, Clément vous en parlera un peu plus. Voilà pour la météo. Qu'est-ce que tu racontes? C'est un acteur porno gay, forcément. Ah bah, je mais ne connais pas, du coup, j'avais pas la réponse. Oui, mais forcément, quand je te dis que tu connais, c'est que c'est le troll, quoi. Mais Astiel, je m'étais dit, voilà. Ça m'avait fait marrer. Qui nous dit il y avait une Dorita dans mon ancien labo. Bah écoute, comme quoi. J'ai vu la Saint Dorita, j'ai fait c'est une blague pour les chips. Non, je fais ah bon bah écoute. La Saint Doritos. La Saint Doritos. Doritos c'est au pluriel. Dorita c'est une chips. Non. Une Dorita des Doritos. Mais du coup ça m'a fait marrer. Donc ouais effectivement météo de merde encore cette nuit. Mais en vrai, dans l'ensemble, les températures se réchauffent. Là, le trésor, parce que bientôt, on va pouvoir ressortir les shorts et les kilts, ma gueule. Et ça, c'est glam. Eh bien, parfait. Parfait. Alors, où tu retires les shorts et les kilts pour rester chez soi? Non, j'ai un balcon. Au moins, elles prennent l'air un peu, tu vois. Oh je parle non, de... mais non, je parle de mes shorts et de mes kilts. Hein. Oh, t'es dégueulasse. Que... Ah, du coup, voilà, météo un peu tout rapide, mais il n'y a pas grand chose à dire. C'est pour ça que je me suis vengé sur la chatroulette russe et sur le plan culture, bien sûr, qui sera un peu plus fourni ce soir et qui vous fera rire, je l'espère. Voilà. Bien écoutez, du coup, on va se faire le petit cadenas avec la c'est valise pas... en carton qui n'a toujours pas été rembordée. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Il y a 4 badges, un patch, un CD de Dunlap, un CD de The Verge. Et c'est tout. Et bah écoute, qu'est-ce qu'on rajoute ? Une petite liste. Oh, je sais pas, cette semaine on joue léger, on met juste un. Juste au pire, on fera un badge, mais on met un. Encore un dessin. Il y en a plus, j'ai plus de dessin. Mais on en fait un unique. C'est-à-dire qu'on fera un montage dans la semaine pour ce badge. Ah, attends, faut que je le note, parce qu'au bout d'un moment, je vais plus m'en rappeler. Valise en carton. Alors, c'est pas que Gilou est optimiste et pense ressortir, c'est que Gilou,
a découvert que son balcon était une pièce entière de son appartement depuis qu'il est enfermé dedans. Avant, j'y allais jamais. Et maintenant, il y a 2 heures de travail, je vais poser 20 minutes dessus parce que ça me fait un bien fou d'avoir ce putain de balcon qui donne sur un jardin. Ça permet de m'aérer l'esprit et c'est un putain de bonheur d'avoir ce putain de balcon dans cet appart. Eh bien, écoute, voilà. Va pour le CD de The Verge. Bon, allez, du coup, vous connaissez le principe pour les nouveaux. Le concept, un cadenas à 3 chiffres. Code à 3 chiffres. J'ai perdu le code, je ne sais plus du tout ce que c'est. Le but, vous proposez vos combinaisons. Et puis, on les teste. Et celui qui trouve la bonne combinaison remporte la valise en carton. C'est l'édito du recyclage. On avait un cadenas. C'est parfait. Alors du coup, vous allez donner chacun à votre tour une combinaison à 3 chiffres. Clément va les essayer. Et si vous ouvrez, vous partez avec le cadeau. Sinon, la semaine prochaine. Petit indice, on est resté sur le numéro 128 la semaine dernière, parce que je ne m'en suis pas servi depuis. Et... L'année dernière, tu tiens pas un concept, tu fais un tirage, mais que tous les ans. C'est les gens qui sont là, ils attendent. Sur un truc impossible, en plus. Alors du coup, dans le chat, ça va être le moment de lancer toutes vos combis à 3 chiffres, à une par personne, bien sûr. On parle pas des combis short. Non, les jetez pas dans le chat, ça marche pas. Vous allez juste salir votre écran en plus. Du coup, balancez les combis. Clément les fait et si ça fonctionne, vous gagnez. Si ça ne fonctionne pas, ce sera pour une prochaine fois. Alors la première combinaison, on nous propose le 239 par Lémi. Je bois une gorgée et j'arrive. Non, on n'a pas le temps, faut que t'enchaînes là. Allez Julius, mais si, au boulot. Il faut attendre que... T'inquiète. Les gens proposent et tout. J'en ai déjà 3. Vas-y. Alors, allez, le premier. 239. Voyons voir ce que ça donne. Ce n'est pas 239. Désolé. 513. Alors... Ouais. Ah, non plus. À 634 par Charlotte. Charlotte aux cerises, bien sûr, pas aux fraises. Ce n'est pas du tout la même star. C'est pas 634. Le jour où ça va fonctionner, je vais être surpris. Genre, je m'y attendrai tellement pas, ça va être... Au micro, on va entendre clac. Oh bah merde. Bon bah j'envoie le sac. Ça aurait été si drôle que le premier soir, il y a quelqu'un qui tombe dessus, quoi. Ah mais je tiens à mes cerises, qu'elle dit. Bah oui, tu fais bien. C'est pas grave. il nous manque. Est-ce qu'il y a un peu de monde? Est-ce que tout le monde a voté? N'hésitez pas, sinon on fera les tests un peu plus tard. C'est pas grave, on a le droit au décalage. Je sais qu'il y a un petit décalage d'à peu près 10 secondes entre quand on parle et vous l'entendez. Donc c'est pas bien grave, on va s'adapter. Mais du coup, encore, pas de gagnant encore. Hein. Il va falloir. Je sais que moi, il y a Chouki qui note ça de côté. On sait qu'on a Shan qui a son passe perso VIP puisqu'elle travaille et qu'on sait qu'elle peut pas proposer son chiffre, mais elle fait plus tard. Et puisqu'elle nous a fait un geste juste magnifique il y a quelques jours. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup à toi. On t'a pas remercié en live. Je lui ai envoyé une petite photo dédicacée de Punky unique juste pour elle. Mais oui, effectivement, ce petit geste nous a tous foutu sur le cul. Donc, voilà, en live, je te remercie beaucoup pour ce que tu as fait. Je n'ai pas envie de dire ce que tu as fait en live parce que j'ai pas envie que ça te gêne, mais tu as eu un très très beau geste pour la radio et je te remercie grandement. Voilà. Alors ça va être the moment. On va se faire une petite coupure musicale et oh là là, je vais pas changer la timeline. Oula, je vais me faire taper sur les doigts, attention. Charlotte Ostrice est derrière avec la matraque qui t'attend là. C'est vas-y. Alors on va s'écouter Anissa. De Weshden version Metalcore, repris par Lou Howard et Mrs. Yeye. Juste après, ça sera le point G que j'ai fermé comme un trou de balle, du coup j'ai perdu ma fenêtre. Ah non, il est là, c'est bon. On va parler de Christopher Lee et le métal. Rien, parce que normalement ton point G est pas loin de ce que tu disais. Mais Oui, non, j'ai pas perdu mon point G perso, mais... Tu fermes ton trou de balle justement. Eh enfin, bien, bon, merci beaucoup à Lémi qui vient de prendre un abonnement de niveau 1. Oh, merci, c'est cool. Merci beaucoup. Sache que tu sens la fraise, effectivement, c'est marqué. Mais je te le redis. Bonne nouvelle à Lémi. Ouais, bonne nouvelle à Lémi. On a mis quelqu'un sur cette question-là. Normalement, on devrait faire apparaître de nouveaux petits emojis. Alors, peut-être avant de les faire. Mais on a pensé à vous, les abonnés, pour vous
on a entre... Je crois que Twitch nous a autorisé à mettre deux emojis en plus, donc on va essayer de les filer très vite. On est toujours à deux, ça change pas. Il faut vraiment qu'on ait, genre, je crois faut qu'on ait qu'on double ou qu'on triple nos abonnés pour en avoir un nouveau. Ok, bon, on va les changer au pire. Oui, bah, ah oui, ouais, ceux qui sont disponibles, alors ceux, le seul qui est disponible, parce que vous êtes de niveau 1, sera changé bientôt. Bientôt, bientôt. Ah, bon. Allez, du coup, Anissa, Metalcore, à tout de suite sur... Pas du tout, j'ai totalement foiré ce que je voulais dire. Bon, bref, allez, le morceau à tout de suite, ça sera plus simple comme ça. Oh, merde. Tu m'as trompé, t'as cru que j'allais pas capter. T'as changé de parfum de numéro comme si par les keufs t'étais recherché. Apparemment tu m'aimes pas, c'est une autre que t'aimes. Tu parles avec une Anissa, mais moi je m'appelle. What? Voilà, Anissa, Weshden, reprise par Lou Howard et Mrs. Yeye. Yeah. Effectivement, le scream n'est pas incroyable. Je te l'accorde, The Metal Guy, c'est la première chose que j'ai relevée en écoutant le morceau. Mais je trouve que cette version, elle mérite d'exister, déjà, premièrement. Et deuxièmement, bah, elle n'est pas dégueu, si dégueu que ça, instrumentalement parlant. Je trouve que le breakdown est assez vénère, et je l'aime beaucoup, d'ailleurs. Je trouve même que la dualité des voix fait en sorte que ça passe très bien, parce qu'il y a deux voix. Mais un truc que je voudrais quand même noter, à la base, on parle quand même d'une chanson de Weshden. Oui, c'est clair. L'application de metal, c'est quand même pas simple. C'est pour ça que je dis que ça mérite d'exister. Ah ouais. Et quand tu vois le texte original, parce qu'entre-temps, quand tu m'as fait écouter ça-là, bah, j'ai dû aller écouter la vraie, tu vois, à cause de toi. Quand tu vois le texte c'est original... C'est le même texte, hein, c'est les mêmes paroles. Hein. Ouais, mais du coup, c'est vachement dur à adapter. Ah ouais, oh, tu m'aurais dit, tiens, prends la chanson originale et colle-moi un scream et puis colle-moi un break là-dedans. Je t'aurais regardé en mode, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. Enfin, c'était bloqué en mode. Je te l'accorde, le petit truc qui pêche et qui serait dommage, qui est un peu dommage dans cette version, c'est le scream qui est pas top. Mais bon. L'avantage, c'est que de 1, il existe, de 2, il est quand même. Dans la soupe, j'ai pas leur talent donc je pourrais pas faire aussi bien qu'elle. Bah, mais de trois, l'avantage, absolument pas le faire, c'est sûr. Mais comme il existe, ça va peut-être donner des idées à d'autres groupes
de le reprendre et de le remodifier encore. Ah ouais, donc ouais, ce morceau peut amener des pépites. J'attends de une version de... Enfin, je sais pas s'ils sont encore d'ailleurs, encore ensemble, je sais peut-être dire une connerie, mais de We Butter the Bread with Butter, ce serait génial. Je sais qu'ils ont l'habitude de faire des reprises un peu cons comme ça. Mais tu vois, comme je disais dans la météo, des fois un truc qui paraît peut-être un peu banal peut cacher un trésor. Là, le trésor que ça peut cacher, c'est que ça se trouve demain, t'as un groupe de malades qui va se dire allez, viens, on fait la fumée. Et on fuck alors, le truc. C'est pas, et ça... c'est pas il, c'est elle. C'est une chanteuse, ce sont deux chanteuses. Enfin, une chanteuse et je sais pas si on dit il ou elle, mais c'est un trans ou une trans. Donc voilà. D'accord. Mais celle qui fait du scream, c'est une chanteuse en tout cas. Et bah putain, mais respect quoi, franchement, partir quand j'écoute l'original et que j'écoute la. Je trouve que déjà ils ont amélioré l'original en fait. Enfin, à mes yeux, à mes oreilles. Parce que du coup, c'est vraiment pas mon style. Défi relevé. Et il respect, fait toujours quoi. Mieux que le dernier Halo de Six Feet Under, le bâtard. Très incisif quand même. Ça va être le moment de se faire le point G. Le point G de ce soir, on va parler de Christopher Lee. Qui ne connaît pas Christopher Lee, qui nous a quittés malheureusement à l'âge de 93 ans, il y a quelques années déjà, hein, puisque c'était en 2015, je crois. Pour moi, ça restera Saruman. Alors du coup, il a fait Sherlock Holmes, Dracula, il a joué un méchant dans James Bond, il a fait Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, il a fait Dooku dans Star Wars... Énormément drôle. Mais, alors on le savait peut-être pas, et pas beaucoup de gens le savent, mais j'ai réussi à trouver cette petite information, et pour mon plus grand bonheur, Christopher Lee avait une passion, la musique, et plus particulièrement le heavy metal. Ouais. Tu le savais ? Ah, je vais te laisser finir, parce que après je pense que je vais te décevoir. Mais vas-y, je t'en prie. Pourquoi ? Vas-y, dis tout de suite. Bah, parce qu'en fait, je pense bien que j'en avais parlé sur une émission de Noël, parce qu'en fait, Christopher Lee, tous les ans à Noël, se faisait une compile. Oui, il se faisait une compile. Non, mais là, on n'a pas parlé de... C'est pas ce que je vais dire après. Ah d'accord, mais il faisait une compile heavy metal tous les Noëls déjà. Donc oui, c'est un grand fan d'heavy metal depuis très longtemps, et il l'a toujours défendu d'ailleurs. Oui, on sait qu'il reprenait des... Il reprenait des chants de Noël en version heavy metal sur les disques Heavy Metal Christmas 2. C'est des opus qu'on trouve un peu partout, d'ailleurs, qu'on a utilisé pour les spéciales Noël. Mais ce que je voulais dire, surtout, c'est qu'en 2004, il a travaillé avec le groupe Rhapsody of Fire, où il posera sa voix sur 5 albums en tant que narrateur. Putain. Alors, les albums sont les suivants. 2004, The Dark Secret. 2004 encore, Symphony of Enchanted Lands 2, The Dark Secret, donc c'est la suite. 2006, Triumph or Agony. 2010, The Frozen Tears of Angels. Et 2011, From Chaos to Eternity. Il ira jusqu'à même sortir 3 albums avec son groupe qui s'appelle Charlemagne. Premier album qui est sorti en 2010, By the Sword and the Cross. Deuxième album qui est sorti en 2012, Let Legend Mark Me as the King. Et troisième sortie de ce groupe, qui est sorti en 2013, qui s'appelle The Omens of Death. Voilà, voilà. C'est ça que je voulais rajouter surtout. Je sais qu'on en avait parlé pour Noël. J'ai pas compris. Franchement, Christopher Lee, c'est super classe, parce qu'en plus, Christopher Lee avait une putain de voix qui est reconnaissable entre mille. Vraiment. En tant que narrateur sur un album, mais comment j'aurais kiffé. Enfin, si j'étais artiste et que je savais qu'il y allait avoir une partie narration et que c'est Christopher Lee qui l'a fait, t'as envie de te donner deux fois plus. Metal Guy que savait pour la collab avec Rhapsody. Ouais, donc, j'avais su aussi Lee, parce que ouais, je suis carrément. Salut Projo, tu arrives sur le point G. On parlait de Christopher Lee et de ses collabs avec Rhapsody of Fire, pour lesquels il a posé sa voix en tant que narrateur sur 5 albums. Salut Chan, Salut je sais pas si tu as lu. On t'a fait un petit remerciement en direct. On n'a pas dit pourquoi, parce qu'on voulait garder oui, un peu ton anonymat. Et si. Voilà. Allez, si Projo et Chan, vous voulez proposer votre code pour le cadenas, c'est maintenant code à 3 chiffres. Vous tapez ça, on le teste. Avant de passer sur la prochaine coupure musicale, et on enchaînera sur le chat roulette russe.
Donc, ouais. Chouki, prépare-toi. Et oui, pour Rhapsody, j'étais au courant, parce que je suis un grand fan de Rhapsody. Je crois que j'ai écouté mon premier album de Rhapsody, j'avais 10 ans, et j'en écoute encore aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment un groupe qui a duré chez moi. Et j'avais entendu Christopher Lee dedans, sans savoir que c'était lui. Et j'avais fait, putain, mais cette voix, je la connais, tu vois. Tu bugs, et après, tu regardes sur la pochette, tu fais, oh putain, Christopher Lee et Rhapsody, tu vois. C'est vraiment la compile, Le Seigneur des Anneaux, c'est tellement épique. J'étais ouf quand j'ai vu le CD à l'époque. Alors, j'écouterai en replay alors pour savoir ce que je vous avais dit. Ok. Oh, on n'a rien dit de méchant, on a dit que dit merci. Du coup, les codes à trois chiffres. Un pour Chan, un pour Projo. On vous laisse un peu le temps. Ah, ça y est. 456, pardon, pour Projo. Alors, attends, parce que je suis en train de faire un truc en même temps. Alors, 456, je teste ça tout de suite. C'était Saruman qui chantait, ouais, effectivement. Mais déjà, dans le film, Saruman, il a une... Enfin, quand il fait ses dialogues, tu sens que le mec, tu sens que l'acteur, il avait du coffre, il avait de la voix, tu vois. Alors, en même temps, quand t'as Christopher Lee, ça va. Alors, ce n'est pas 456. Oula, on a le 200. Excusez-moi, ça s'est lancé tout seul. Ah, pardon. 287 pour Chan. Alors, 287. J'imagine que toi, tu dois galérer à tourner les codes derrière. Ce n'est pas 287. Ah, pas de gagnant cette semaine, quel dommage, nous rajouterons un cadeau la semaine prochaine, revenez pour la valise en carton. Non, je fais un peu trop radio là pour le coup. Mais on est une web radio, donc c'est pas très grave. Ouais, mais non, c'est le mardi, on fait moins sérieux, on va dire. C'est le vendredi, on est sérieux pour présenter les groupes, et le mardi on fait de la merde. Ouais, pas très gentil ça, dire qu'on est moins sérieux, parce que c'est le mardi, on met haut. Oh, moi, sérieusement, je la prends tout au sérieux à l'écriture, mais je la prends moins sérieux au live parce que j'ai moins le stress de dire j'ai un groupe à mettre en valeur. Bah, tu vois, je la prends plus au sérieux. Je la prends plus au sérieux pendant le live parce que j'ai tout à gérer. Ah oui, bah oui. Bah oui, mais moi du coup, j'ai pas à gérer, tu vois. Vendredi, j'ai double. J'ai tout le matos à gérer et le groupe. Putain, je suis pressé d'avoir la fibre pour pouvoir gérer le vendredi aussi. Oh putain, moi aussi. Mais pour d'autres raisons. Hein. Tellement moins sérieux que l'émission du mercredi. Non, mardi. C'est ça, c'est tellement ça. Tellement pas sérieux qu'on l'a monté un mercredi. Oh, les... Oui, les panneaux. Je suis désolé, ça fonctionnait pas hier, Twitch. Ah, putain, bon. Ça a vraiment pété hier en plus. Hein. Ouais, on a eu Chouki qui nous a fait un gros coup de main hier pour regarder tout ça. Et on voyait petit à petit, mais la panne se répandre dans toute l'Europe. Ça avait tout explosé, les serveurs partout. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, moi, je me faisais même tacler. Je t'avais dit par d'autres Twitchers, t'avais 42 Bim qui a dit, ouais, mais c'est votre faute. Là, vous êtes venus avec tous vos fans. Je fais, ah, bien sûr, oui. Nous, on va péter un serveur, tout va bien. Ah, mais bon. Une petite blague, on en a bien rigolé finalement. Allez, petite coupure musicale. On s'écoute un Vixen et on enchaîne sur Eskimo Callboy, nouveauté de la banque musicale. On va s'écouter MC Thunder 2, Dancing Like a Ninja. Et juste après, ça sera Gilles qui s'occupera de vous, j'ai envie de dire. Avec le chat roulette russe, Chouki, prépare-toi. À tout de suite. Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. Et on enchaîne sur Eskimo Callboy, nouveauté de la banque musicale. Et juste après, c'est ma vie qui se fera de... Le retour de la musique, c'est maintenant, c'est maintenant. We'll be right back.
Dancing Like a Ninja à l'instant sur l'antenne de Fréquence Métal, vous êtes bien sur Metalcore, sur Glamcore, voyons donc, qu'est-ce que je raconte. Effectivement, c'était Eskimo Callboy. On nous dit un site machin, mais c'était parce que j'étais sur le site Fréquence Métal et en passant par Twitch machin. J'arrive, Gilles, je me remets sur la discussion mythe, hein. Pas de soucis. Je suis de retour bientôt, effectivement. Tu peux parler. Si tu es là, allô ? Oui, bien sûr, il faut que je vous mette le micro de partout, parce que du coup, il faut vraiment que je veille avec sa carte son pour pouvoir écouter le live sans forcément que ça te fasse un retour. Ouais, c'est chiant. Oui, et pourtant, on a vu ça quand même, hein. Normalement, elle ne devrait pas, la carte son. Non, mais là, ça me le fait, c'est horrible. Oui, alors du coup, effectivement, c'est normal que tu aies reçu ce message, parce que Twitch va essayer de te dire forcément, viens sur mon site, c'est beaucoup mieux. Sauf que hier, on a vu la preuve... Effectivement. Toujours mieux, c'est la grosse blague quand même. Faut attendre, je crois, 2 fois 20 secondes où il y a un truc du genre, mais ça part au bout d'un moment. C'est normal. C'est un message sur fond violet ou je sais plus quoi, c'est dégueulasse quoi. Du coup, ouais, non mais bon, après Twitch a des petits soucis, mais je pense que Twitch simplement essaie de s'adapter à le fait qu'il y ait de plus en plus de gens sur leur serveur, il y a de plus en plus de gens qui stream, de plus en plus de gens qui regardent. Et comme on l'a dit, hein, l'arrivée des télés ne va pas arranger le problème. Hein. Quand on voit l'ancien journaliste de télé qui fait des streams maintenant avec 12 ou 13 000 personnes qui invitent... en fait, il fait de la télé sur Twitch parce qu'il invite même des hommes politiques à parler tout et tout. Pour ceux qui auront envie de regarder une version télé sur Twitch, bah, ça existe. Mais il a réussi à ramener pas mal de gens, 12 000, 13 000 personnes par live. Ça fait quand même beaucoup. Et je pense que Twitch a toujours pensé qu'en Europe, il y aurait un peu moins de monde qu'aux États-Unis. Parce que on est un peu moins live, un peu moins YouTube, un peu moins Twitch. Là, on est en train de prouver le contraire. L'Europe est en train de faire exploser les chiffres et peut-être que Twitch n'était pas prêt. Mais c'est pas grave. Après, derrière, il y a Amazon. Alors, vous inquiétez pas que s'il y a besoin de serveurs, ils vont en planter des tonnes encore et puis ça va le faire.
Effectivement, c'est ça, ouais, avec un compte à rebours d'une 37 secondes. Ouais, faut laisser passer, ça passe après. Tranquille. Alors, avant de faire le chat roulette russe, Gilles, je voudrais profiter qu'il y ait pas mal de monde sur ce live pour poser ma démission. Non, c'est pas vrai. Non, pour faire un vote qu'on avait promis par rapport aux horaires de cette émission. Je sais pas si Chouki, tu peux lancer un poll. Les deux propositions sont les suivantes. Première proposition, c'est 21h30, 22h30. Non, 20h30, 22h30, pardon. 20h30, 22h30. Deuxième proposition, c'est 21h, 23h. Troisième proposition, 20h, 22h. T'avais pas dit qu'il y avait deux propositions et de sortir trois? Oui, non, il y en a deux plus la situation actuelle. Non, mais plus la situation actuelle. Alors, vous avez deux choix. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Ah oui, merde, vous avez trois choix. Oui, non, mais c'est vous avez deux choix ou alors on change pas, quoi, en gros. Ouais, bah effectivement, on essaie de l'adapter aussi un peu parce qu'on a vu que 23h, bah, beaucoup d'entre vous se couchent, ce qui est normal. Oui, mais des dont gens qui moi. Bossent. Voilà, mais pas comme moi, par exemple. Moi, je ne bosse pas, du coup, je n'ai pas ce problème. Mais non, ça, on a toujours fait ça, en fait. Hein. Si, tu regardes, si, vous regardez, si vous êtes sur Fréquence Métal depuis un petit moment, vous saurez qu'au départ, l'émission n'était pas le vendredi, c'était un mardi au tout début. Ouais, au tout début, bah, c'était le mardi. Ouais. Et oui, et ensuite, alors, quand on a pris... Pas. Ne répondez pas dans le chat, ça sert à rien. Il va y avoir un sondage qui va apparaître. Ouais, on va vous... Okay, Chouki, elle va vous faire ça tout propre, tout beau, tout nickel. Et puis après, quand on a pris notre indépendance, on avait posé la question, est-ce que vous souhaitez un mardi, un mercredi, un vendredi? Et était venue l'idée de, bah moi, vendredi, j'ai pas de concert, je me fais chier à la maison, est-ce que vous pouvez faire une émission? Et du coup, ça s'est fait comme ça, le vendredi. Donc voilà, c'est à force de vous poser la question qu'on améliore le tout. Il y a Shane qui dit moi je peux rêver qu'à 22h. Ouais, mais on va pas faire 22h minuit. On l'a fait une ou deux fois, c'était mort, c'était trop compliqué. Ah, on était tout seul à la fin. C'est surtout ça aussi. Ouais, c'est clair. Du coup, vous avez de quoi voter. Bon. Donc, voter là, ouais. Voilà. Nous, de toute manière, ça nous dérange pas du tout. C'est trois horaires, on va les faire. Et oui, on vous avait dit 22h30, 23h, comme on vous l'a dit à l'époque. Enfin, comme j'ai essayé de l'expliquer dans le chat, c'est qu'on se donne toujours une demi-heure de battement parce que des fois, une émission est plus longue à faire qu'une autre, parce que des fois, le temps de dire merci, au revoir, c'est beaucoup plus long. Des fois, ça part très court. Par exemple, hein, vendredi, quand on a dit au revoir avec nos deux amis corses de Silence of Abyss, ça nous a pris un temps. C'était génial, mais ça nous a pris plus d'une demi-heure. Il y a Projo qui dit « Moi, je préférais 23h, 1h, voire minuit, 2h ». Oui, non, mais là, dans ce cas-là, on fait une autre émission à côté, quoi. C'est... J'avais une idée d'émission... Ou alors, je me filme en train de dormir, si ça vous intéresse. Mais... Non, moi, j'avais pensé, comme je dors pas la nuit, il faudra que je voir si j'ai un taf entre-temps et tout, parce que ça vient bientôt se débloquer. Mais monter une émission à l'ancienne, tu sais, libre, où les gens peuvent venir parler, et peut-être avec des petits conseils, où je vous file des coups de main, vous venez raconter vos malheurs, vos bonheurs. Je sais pas, faudra voir dans le courant de l'année si je le fais, ou plutôt saison 4. Parce que bien sûr, il va falloir que je m'adapte, que je trouve un boulot aussi entre-temps. Donc là, ça va raccourcir les temps de travail pour la radio. Et pour l'instant, les votes vont vers 21h, 23h. On ne bouge pas. Hein. Ouais. Les gens aiment l'habitude. Hein. Ne pas confondre avec l'habitude. Non, pardon. L'habitude, oui, effectivement. Non, moi, je l'annonce. Hein, je le dis. je l'ai tellement fait, cette blague. Eh bien, écoute, dans ces cas-là, ce sera à moi peut-être de raccourcir mes éditos pour que ça finisse plus ouais. À 23h. Pour... J'ai pas dit 23h, ça m'arrangeait pas. Hein. Votez, hein. Non, non. Tu vois y ce que je veux faire. Si je vous propose les trois, c'est que c'est les trois. Après, 23h, ça va encore. C'est au-delà de 23h. C'est quand on dépasse et qu'on finit à 23h30 et qu'après, derrière, voilà. Mais 23h, ça va. Si les horaires ne nous plaisaient pas, on ne l'aurait pas fait. Vous le savez depuis le temps. Fréquence Métal, on fait vraiment ce qui nous plaît. Vous êtes quand même sur une émission qui est une matinale le soir avec une météo de la nuit et des points sexo. Tout le monde nous dirait que c'est de la merde et que ça peut pas marcher et que c'est pas dans l'air du temps. On fait ce qui nous plaît. Après, dites on vous pas, propose... Si vraiment... je vous le propose, c'est que c'est bon. Hein. Dites pas que c'est chiant pour moi ou quoi. Effectivement, l'autre fois, j'étais un peu claqué, mais c'était parce que on a terminé beaucoup plus tard et que il y avait plein de trucs à côté. Oui, parce qu'après, on ne vous le dit pas, mais la radio a plein de projets derrière qu'on met en place,
qu'on est en train de mettre en route, et du coup, ça nous prend aussi. Mais là, on a plus de temps, parce que du coup, on a une équipe derrière maintenant. C'est cool. Ah bah, j'avoue qu'en fait, ça a été beaucoup de taf là, mais dans les quelques semaines, quand tout, quand tout sera mis en place... Ouais, clairement, j'étais au bout du burn-out, ouais, c'est clair. Au bord du burn-out, ouais, c'est sûr. Mais parce qu'il y avait plein de trucs à faire, c'est ultra chargé. Là, maintenant, on a une équipe, donc il n'y a plus tout ce qu'il y avait à côté. C'est effectivement, cool. Grâce à cette équipe, et Dieu merci, ils sont là, nous, ça nous a libéré un temps de fou. On va certainement bientôt utiliser pour faire d'autres choses. Mais c'est beaucoup moins de stress, on prend beaucoup moins, et c'est pour ça. Par exemple, hier, j'étais hyper fatigué. Là, j'ai pu faire une nuit de 12 heures, ça va mieux. Je suis au taquet. Ah, ok, et bah du coup, je pense qu'on peut clôturer les votes parce que tout le monde a l'air d'avoir voté, non? En vrai, moi aussi, 23h, c'est un peu tard pour moi. La dernière fois, j'avais écouté le début de l'émission en replay le lendemain. C'était bien aussi. De toute façon, je bosse avec l'émission. Ok. Bon, bah, si on clôture le vote, on est à 67% pour 21h-23h et 33% pour 22h30. Donc, on va rester sur le format 21h-23h. C'est acté. Voilà, tu peux clôturer le vote. Si tu veux clôturer. J'ai une petite pensée pour tous les gens qui écoutent cette émission en rediff. Parce que de temps en temps, je reçois un message de ces gens qui me disent hey, aujourd'hui, j'étais au boulot, j'ai écouté cette émission et vous m'avez fait marrer, merci et tout. Ça fait toujours plaisir parce que tu es en plein milieu de la semaine, tu ne penses plus du tout à tes lives. Tu es sur la création du suivant, tu es sur des petits projets intermédiaires. Et tu reçois ce petit message et ça me fait mourir de rire parce que je me dis que ça se trouve, pendant qu'on parle là et qu'on débite des conneries et des salasseries, il y a un mec qui est en train de bosser. Tu sais, la rediff, c'est il y a un mec qui est en train de bosser et il entend notre grosse saloperie sur son PC. Et je sais pas, moi ça me fait marrer quoi. Eh bien écoute, si tu es en train de travailler sur un projet sérieux, chasse-le avec la bouche pleine. J'aime les fesses potelées. Voilà. Tu es en train de lui faire du SMR dans la bouche pendant qu'il bosse et tout. Ceci, bon. Ce sont. Blague à part, vote à part, l'émission restera du coup le mardi soir de 21h à 23h. Pas une minute de plus par contre. C'est-à-dire que 23h05 maximum, c'est terminé, il n'y a plus personne. Eh ben, il va falloir que je raccourcisse mes édits au moins. Il va falloir que je cours maintenant. Et ça. Est-ce que je me les fesses potelées avec la bouche pleine. Oui, c'était pour la blague, pour déconcentrer la personne qui écoutera la rediffusion. du coup, voilà, bah, on va enchaîner sur un deuxième vote. Et ça va être à toi, Gilles, le chat roulette russe. Chouki, à toi aussi de jouer. Ok, alors, pour résumer, pour les nouveaux, le chat roulette russe, c'est quoi? C'est, je vous annonce 4 affirmations. Il n'y en a qu'une de vraie. Vous allez pouvoir voter. Ceux qui gagnent, tant mieux. Et ceux qui perdent, bah, je vous ai piégé avec mon esprit malade. Alors, première affirmation, Jaja, l'artiste, est souvent passé sur les radios des services paraplégiques des hôpitaux. Oui, car, et d'ailleurs, ça a été une grosse pub pour elle, car en 2020, un homme qui apprenait à marcher suite à un grave accident de voiture a réussi à réduire sa formation de moitié grâce à cette chanson. Grâce à cette chanson et sa motivation, il expliquait à la radio, en entendant cette chanson, je voulais absolument apprendre à marcher le plus vite possible pour couper cette radio de merde. Deuxième affirmation. Quel artiste? Jaja. De Aya Kanakamura, la chanson oui, Jaja. Ayana... Oui, c'est pas un artiste. Oui, du coup, l'artiste, c'est Aya Nakamura avec son morceau Jaja. Voilà, okay. Donc ça a permis à cet homme de réduire sa formation pour réapprendre à marcher de moitié. Stay Alive des Bee Gees est une chanson en 103 BPM avec son rythme particulier qui est assez connu. Tu me demandes, mais pourquoi tu racontes ça? Eh bien, est-ce que tu sais qu'il est utilisé pour apprendre à faire des massages cardiaques simplifiés. Et oui, Staying Alive pourrait très bien vous sauver la vie très bientôt. Pour la troisième, nous allons parler de la chanson Treasure, donc Trésor de Bruno Mars. Cette chanson est un vrai trésor de souvenirs, de sentiments, et je ne vous raconte pas de conneries. Cette chanson lui aurait été soufflée par sa grand-mère qui était en longue hospitalisation, qui lui répétait sans arrêt lors de ses visites que son plus beau trésor, c'était lui. Alors oui, la fille qui sourit, la fille qui devrait être chérie, la fille qui ne devait plus être toute triste, la fille qui est son plus grand trésor, eh ben, c'est sa grand-mère. Désolé pour vous, les filles. Ce n'est pas vous. Attends, parce que Chouki, elle a pas fait le pôle encore. Elle n'arrive pas trop. Ah, c'est pas grave, je le dirai une deuxième mais fois. Tranquille, on va le dire une deuxième fois et puis fais-le. Voilà. Et la deuxième, on va parler de Ivan Chrysostome Dolto. C'est un homme qui a été déclaré trésor des Antilles, mec. Et ça, c'est la classe. Et oui, cet acteur-chanteur a réussi, 1. À mettre à la mode les chemises hawaïennes avant le joueur du grenier. 2. À avoir son propre dessin animé. 3. À créer le nombre de chansons qui est toujours utilisé de nos jours. Est-ce que tu vois qui c'est, Clément? Carlos. Eh oui, cet homme, c'est Carlos. Et il est connu pour chaque... Il était connu parce que chaque année... Il partait aux Antilles avec son bateau, donc il faisait la moitié du tour du monde et il vivait presque 6 mois par an.
Voilà pourquoi les Antilles le considèrent comme le plus beau des trésors de l'île. Du coup, je vais vous répéter ça le temps que le poll sorte. Première, on va parler de Jaja, la chanson de l'artiste Aya Nakamura qui est souvent passée sur les radios et notamment dans des services paraplégiques des hôpitaux parce que, petite pub, en 2020, un homme qui apprenait à marcher suite à un grave accident de voiture a réussi à réduire sa formation de moitié grâce à cette chanson et sa motivation. Il a expliqué à la radio « Je voulais absolument apprendre à marcher le plus vite possible pour couper cette radio de merde. » Ça marche, bravo. Bravo, bravo Aya. T'as sauvé un mec qui pouvait plus marcher. Deuxième petite relation entre les trésors, les hôpitaux et les chansons. Staying Alive des Bee Gees est une chanson à 103 BPM avec un rythme bien particulier, mais qu'on connaît tous. Ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il est utilisé pour apprendre à faire des massages cardiaques simplifiés. Donc Staying Alive, bah, c'est peut-être la chanson qui va te sauver la vie très bientôt. Troisième petite chanson, la chanson Treasure de Bruno Mars est un trésor de souvenirs, de sentiments, bref, une chanson adorable. Cette chanson lui aurait été soufflée par sa grand-mère qui est en longue hospitalisation et qui lui soufflait que ses visites de Bruno Mars étaient le plus beau des trésors à chaque fois qu'il venait. Alors oui, dans la chanson, vous entendez qu'il y a une fille qui sourit, une fille qui devrait être chérie, une fille qui ne devrait plus être triste, et bien cette fille qui est son trésor, c'était sa grand-mère. Désolé pour vous les filles, c'est mamie qui passe avant. Troisième chanson, Ivan Chrysostom, je dois arracher son nom, est un homme qui a été déclaré trésor des Antilles, c'est la classe. Et oui, cet acteur-chanteur a réussi à 1. mettre à la mode les chemises hawaïennes avant le joueur du grenier, et ça c'est beau. 2. il a eu son propre dessin animé, et c'est pas une connerie, il n'était pas très très bien, mais c'était pas non plus le pire. 3. il a réussi à créer un nombre de chansons qui est encore utilisé de nos jours. Cet homme, c'est bien sûr Carlos. Il est connu pour que chaque année, il partait aux Antilles avec son bateau, faisait donc la moitié du tour du monde, s'arrêtait là-bas, vivait presque 6 mois par an aux Antilles. Voilà pourquoi les Antilles le considèrent encore comme le plus beau des trésors de l'île, parce qu'il leur a fait une très bonne pub aux Antilles et potentiellement parce qu'il y claquait aussi la moitié de son pognon. Voilà, maintenant que vous avez les votes, on va voir qui s'est trompé et qui a eu bon. Je ne sais pas si tout le monde a voté. On a 5 votes, 6 votes pour l'instant. C'est partagé encore, hein. Je suis content, j'aime quand c'est partagé parce que ça veut dire que j'ai réussi à machiavéliquement à piéger certains d'entre vous. Bon, on est d'accord que Jaja, personne n'y croit et c'est un gros troll qui a traîné sur les réseaux sociaux pendant extrêmement longtemps, du coup. C'était cramé de foule d'avance, quoi. J'aime bien le mec qui réapprend à marcher, qui éteint la radio et ta gueule. À la base, c'était une blague avec la chanson de Jul. Oui, aussi. Oh, les deux sont apparus très très vite. Je sais plus laquelle était la première. C'était avant que Aya Nakamura existe, Jul. Et c'était au début de Jul. Ah ouais. Effectivement. Mais du coup, oui, c'était un gros troll. Il y a toujours une que je fais vraiment en troll bête et méchant pour être sûr que. Alors, on se doute qu'il n'y ait pas 4 bonnes choses. Il y en a au moins une, c'est sûr, c'est une connerie. Est-ce que tout le monde. On dirait que tout le monde allait voter. On va pouvoir clôturer. Tout le monde a voté clôture. Vas-y. Je vais vous donner la réponse. Bah, je donne la réponse quand je vois que c'est clôturé. Parce que voilà. Non, par contre, est-ce que j'ai donné la réponse à Chouki? Oui, non, bah non, du coup, je veux que je dise. Alors, la bonne réponse, c'est pour tous ceux qui ont voté Staying Alive. Oui, bah, c'est plus de votes. Bah ouais, vous avez réussi. Effectivement, c'est pas une blague. Le 103 BPM, c'est parce que normalement, un message cardiaque simplifié entre 100 et 100. C'est l'exemple qu'ils te donnent à la journée d'appel et quand tu fais tes trucs de formation. Sauf que moi, j'ai jamais fait cette journée-là. Donc je l'ai découvert autrement et ça m'a fait marrer. Et d'ailleurs, il y a une application sur Android qui s'appelle Staying Alive et qui est une cartographie des défibrillateurs dans le monde. Si jamais vous avez besoin d'un défibrillateur, bah... Ah, je veux bien savoir qui a été piégé mais à part mes fausses notes. Parce que du coup, Bruno Mars, c'est une grosse connerie. Je ne savais pas du tout si sa grand-mère a fait de l'hospitalisation. Et la chanson Trésor a l'air vraiment de parler d'une de ses ex. Mais t'as le gars qui me dit « Big up à ma journée d'appel. Ça aurait servi à quelque chose au moins. » Tu sais faire un masquage cardiaque, c'est quand même plus utile. Oui, que Another One Bites the Dust aussi, c'est vrai. Exact. Effectivement. Et alors... pour c'est 103 BPM les deux, donc normal. C'est ça, ouais. Quoique ils disent qu'un masquage cardiaque c'est plus entre 100 et 109, mais du coup 103 c'est pile au milieu. Ouais. Et pour Carlos, bon, c'est vrai qu'il faisait 6 mois dans l'année dans son bateau, c'est vrai qu'il a vraiment vécu
une bonne partie aux Antilles. C'est vrai qu'il a lancé les chemises hawaïennes avant le joueur du grenier. Tout ce que je vous ai dit, c'est vrai, mais le truc, c'est que les Antilles n'ont jamais dit que Carlos était un trésor. Carlos est quelqu'un de très respecté aux Antilles, mais ce n'est pas non plus le trésor de l'île. Voilà, mais je voulais jouer un non, peu sur Francky ça. Non, pour... c'est Francky Vincent. Ah, ah ouais, putain, oui. Ah, sincèrement, je pense que Francky Vincent bat Carlos sur ce jeu. Et effectivement. Du coup, je ne sais pas qui j'ai piégé, mais pour les deux malheureux, je suis désolé. Voilà, je vous ai... qui nous dit, du coup, je suis en train de faire le geste du message cardiaque sur Staying Alive. Ça passe très bien, mais c'est bête comme chou. Mais en vrai, si ça sauve des vies, bah merde, merci Staying Alive, quoi. Merci les Bee Gees. On veut l'avoir écouté au moins une fois dans sa vie, quoi. Et le truc là, c'est que je trouve qu'en plus, le nom de la chanson va avec ce que tu es en train de faire, quoi. Je veux dire, c'était les... parfait. Tout était parfait à ce niveau-là. Alors, Harry... on va se faire la CQFD de ce soir. Celle qu'il fallait démonter, et c'est un morceau que j'ai choisi. Chacun son tour. On l'a déjà expliqué un petit peu, c'est une fois votre tour, une fois le tour de Gilles, une fois le mien. Ce soir, c'est mon tour. Et du coup, c'est un morceau, une reprise du morceau House of the Rising Sun. Déjà qui est un morceau, enfin, si ce n'est un de mes morceaux préférés devant l'éternel. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, Gilles, mais... Pardon, j'étais en train d'écrire au micro, j'étais en train de taper, j'avais coupé mon micro pour pas que ça fasse clac. House of Rising Sun, franchement, j'en ai écouté plein de versions, que ce soit la classique de Animals, ou même la version française que Johnny White avait Buffalo, fait. White Buffalo, elle est incroyable. Ouais, White Buffalo aussi. Même notre Johnny Hallyday l'avait fait en l'appelant le pénitencier, et je trouve qu'elle n'est pas dégueu. Je trouve que cette chanson, de toute manière, a été reprise par tout un tas de groupes dans tous les styles du monde. Ouais. Mais la chanson est tellement belle que ça passe à chaque fois. Quoi. Et très honnêtement, ma version préférée jusqu'à là, c'était celle des Buffalo. Mais je pense que celle-là, celle de The House on Cliff, le groupe s'appelle. Déjà, j'ai découvert ce groupe avec cette chanson il y a une semaine et je suis tombé amoureux de ce groupe. Et cette version, je pense qu'elle est passée dans le top 1. Elle a dépassé celle de White Buffalo, pour moi en tout cas. Du coup, là, on va s'écouter ça. Je vous fais découvrir par la même occasion, du coup, le groupe qui s'appelle The House on Cliff, si vous ne connaissez pas. Et juste après, ça sera l'instant plan culture, Angelou, parce qu'on se rapproche de la fin. T'es pas prêt, ça va être dégueulasse, je vous préviens. Eh bien, si la dernière fois que vous voulez, ça va être pire, là. C'est dégueulasse. Eh bien, à tout de suite. In New Orleans, they call the rising sun, and it's been the ruins of many a poor boy. And God, I know I'm one. Spend your life in sin and misery.
The House on of the Rising Sun, pardon, par le groupe The House on Cliff. Extrêmement bonne la reprise. Je trouve que le chanteur a une palette de puissance dans sa voix qui est monstrueuse. Donc si vous connaissez pas ce groupe, foncez l'écouter. Parce que ça je pensais que Five Finger, tu vois, c'était Five Finger Death Punch qu'on a fait une reprise qui était vraiment préférée. Elle est très bien aussi. Ouais, mais là, du coup. Il y a un solo de malade, il y a un petit côté bluesy. Ah putain, celle-là, elle se top direct dans les premières, ouais, en fait. Très honnêtement, je te fais mon top. Moi, c'est celle-là. Après, on a White Buffalo et après, on a Five Finger. C'est parce qu'on a toujours, la version de The Picture Books qui va aussi nous démonter un jour. C'est clair. La version de The Picture Books, ça serait différente. Je trouve que ce qui fait la puissance du morceau, c'est. Déjà, toute la palette de voix qu'il y a, qui est offerte par le chanteur. T'as aussi le jeu, genre instrumental, qui est parfois très très calme, parfois ultra vénère, avec un solo très bluesy qui éclate à la fin. Genre, ce morceau, il est incroyable, je trouve. Ah non, mais ça fait partie des chansons comme Whiskey in the Jar. Oui, il y a Johnny aussi. Oui, Johnny, mais c'est pas la vraie version. C'est différent encore. C'est pas les vraies paroles. Non, il a réadapté en français, mais bêtement, bizarrement, c'est peut-être une des. Ça fait partie des deux ou trois chansons de Johnny que je pourrais écouter en boucle. Mais elle est très belle, mais là je parle de The House of Rising Sun, pas des Portes du Pénitencier. C'est pas la même chose, c'est pas la même chanson pour moi. C'est la même instrumentale, mais. C'est une réadaptation en français. Hein. Oui, mais c'est pas le morceau original, c'est ça que je veux dire. C'est une réadaptation. Oui, mais effectivement. Pour moi, c'est un autre morceau, en fait, avec une même instrumentale, des paroles qui se ressemblent. Mais... Ça fait partie des chansons que tu réentendras dans pas mal de groupes qui seront réadaptés et tout. Il y a Whiskey in the Jar, See the Molly Patty, qui est une chanson irlandaise, on pourrait traduire comme la Caution Patty, enfin, je sais plus, qui est utilisée un nombre de fois incalculable. Mais normalement, si le groupe fait pas trop du caca, à chaque fois, tu tombes sur une version qui est propre. Ouais. Mais Rising Sun, je trouve que celle-là, elle a un cachet unique. Ça fait des années qu'on l'entend. Mais ça fait partie des chansons qu'on entendra toujours en cover, mais qui passent vachement bien. En tout cas, voilà, c'était le morceau qu'il fallait défoncer cette semaine. Et du coup, Gilles, en parlant de défoncer, ça va être le moment du plan culture. C'est dégueulasse, ce truc. Alors, la dernière fois, vous avez aimé le vol au-dessus des coquinous. Eh bien, attachez vos ceintures, car nous voilà repartis pour de beaux voyages au pays du plaisir. On va commencer par une très simple. Est-ce que, Clément, tu sais ce qu'un flatufile ? Une personne qui aime quand on lui pète dessus. Tu as raison. Rien à voir avec un pneu crevé, si ce n'est le bruit de l'air qui fuit, car une personne flatufile est aguichée par les pets. Est-ce l'odeur, la texture ou juste la promesse d'un Asus qui susurre à son oreille des cochonneries ? Je ne saurais jamais, mais ça existe. Un Asus. Donc, c'est une personne qui aime bien les ventilateurs de PC portable, mais juste les Asus. Alors, j'ai ma langue qui a fourché, j'ai dit un anus. Il parle ça à ton oreille. Comme ça. Il te fait ça. Tu vois, ça veut dire je t'aime en paix. Ça veut dire je t'aime. Voilà, maintenant tu le sais. Est-ce que tu sais maintenant ce qu'est qu'un alectotophile ? Un quoi ? Un alectotophile. Alors elle est compliquée. Hein. C'est une personne qui aime bien la musique Toto de Africa ou Africa. Pas de du Toto. Tout. Et ce n'est pas le groupe Toto. Pas du. Non, pas du tout. Je vais le dire trois fois. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, j'arrête. Alors du coup, ce n'est pas ça, mais ça n'a rien à voir non plus avec un grand fan du rappeur Alec du 76 qui sentait bon la casquette et le rap normand. Putain, oui. Cependant, petit rapport avec les thèmes de la campagne et de la ferme, parce qu'en fait, un alectotophile, c'est quelqu'un qui adore fourrer la dinde, mais pas dans le sens Thanksgiving. C'est plutôt dans une façon un peu plus classique. On peut dire que tel un coq, vous aimez les jolies poules. Ah, voilà. C'est crade. On nous dit qu'il y a carrément des vidéos compiles sur YouTube de jolies filles qui pètent. Ouais, non, mais... Je sais pas pourquoi, Chan, tu es au courant de ça, mais chacun ses goûts.
Puis je le fais très bien tout seul, mais je me filme pas pour votre bonheur. Et mon Dieu, voilà. Je suis témoin, c'est pas beau à voir. Clément, si tu étais terratophile, ça voudrait dire que c'est quoi ton trip? Alors, quelqu'un qui aime la Terre? Non, pas du tout. Ou alors qui est fan de l'inquiéter? Eh ben, pas du tout non plus. Moi, j'ai pensé dans un premier temps que c'était les fans de la série Terra Nova, tu sais, les grandes étendues de Terre, oui, des dinosaures, de la science-fiction. Elle était bien, cette série. Et mais ce n'est pas ça. Mais en fait, oui, annulé surtout. Mais bon, ouais, enfin, bref, elle était très tristesse. Bien. Mais ce n'est pas du tout ça. En fait, c'est que vous avez une extrême tolérance pour les désirs sexuels. Hein, rien ne vous excite, rien ne vous dégoûte. Grâce à vous, les gens qui ont des grosses difformités, grosses différences, peuvent quand même prendre leur pied. Merci à vous, vous êtes les vrais héros du partage et du sexe. Mmh. Ouais. Ce sont les gens qui un jour auront l'association La Pipe du Cœur et je les rejoindrai. Alors, pour en donner ou en recevoir. Ah, je sais pas, ça dépendra du contrat. Alors, si tu es un apothémnophile, à quoi tu penses? À part de foutre le bordel dans ta cour. Je sais pas du tout. Apothémo. Alors, en voyant ça, moi, je pensais que c'était un amoureux des pyramides du Nil ou encore un fantasme du sphinx ou plutôt de son nez. Mais non, pas du tout. En fait, si un gros malade vous course avec une tronçonneuse, tu chercheras pas du tout à le semer. En vérité, imaginez quelqu'un en train de vous amputer vous excite. Alors, on pourrait résumer par se faire couper un petit morceau pour en faire grossir un autre. C'est un concept, je le respecte, mais pas le mien. Oh putain. On nous dit Terra Nova, une saison et goodbye, la plus grande arnaque du siècle. Mais je suis extrêmement triste parce que je m'étais beaucoup attaché à cette série et j'aimais énormément le concept. Et ça me fait extrêmement chier qu'il n'y ait eu qu'une saison. Même pas terminée d'ailleurs. Il y a du monde qui aime ça, mais écoute, bon, c'est pas grave. Faut croire aux gens. Les gens qui aiment se faire amputer, je ne pensais pas, mais ça existe. Mais l'avantage, c'est d'apprendre, comme ça on ouvre un peu nos esprits. Alors aujourd'hui, on a que aucun ou aucune trimanophile n'a vraiment, que ce trip, donc trimanophile, n'a vraiment rien à voir avec la fusion de Kunyaman ou d'un trimaran. Et même si on pouvait approcher avec ce concept le fait de tomber amoureux d'un sexy kersozon, et bien ce n'est pas ça. Pas du tout. Mais la gourmandise. La gourmandise est excitée par le loup, le renard et la belette. Pas du tout. En fait, c'est un lien avec la gourmandise. Donc, tu as dit une grosse bêtise. En vrai, ça peut se résumer comme ça. Un trimnamophile, ça se résume comme ça. C'est sur une femme, 2 seins, c'est bien, mais 3, c'est mieux. Et oui, ce sont des vrais gourmands. Ce sont des amoureux des seins, de la poitrine. Et je comprends que ma météo te plaise, mon petit copain trimnamophile dans le coin. Du coup, voilà. Mais trimnanophile, ouais, du coup, il y a un film de science-fiction qui doivent kiffer. Après, vous êtes un peu dans le caca. Et on va attaquer avec le dernier, qui est un peu plus compliqué. Et j'ai voulu leur rendre justice ce soir. Si Clément, tu es abasiophile, qu'est-ce qui peut clairement t'exciter, mon coquin? Là, comme ça, les abats-jours, les abats de dinde, la chanteuse abat. Je sais pas. Il y a tellement. Alors, on n'est pas loin. Pour répondre à Chan, oui, la semaine dernière, on avait quelqu'un qui fantasmait sur les amputés, mais là, celui que je viens de dire, c'est le frère amputé. Il y a Metal Guy qui dit, il a cité Carsozon, quoi, mais PTDR. c'est ça, la Bretagne, mon gars, Carsozon. Il fallait. Alors, Abba Zyophile, ce n'est clairement pas le fantasme de faire l'amour sur Dancing Queen de Abba, même ça pourrait être un grand kiff, mais ce n'est pas du tout le cas de l'Abba Zyophile. Qu'est-ce qui peut l'exciter? Eh bien, en fait, ce qui l'excite, lui, c'est Pépé dans son fauteuil roulant, votre meilleur ami qui s'est détruit un genou au ski, toute personne boiteuse ou équipée de béquilles vous fait finalement marcher sur 3 jambes. C'est ça, le résumé. En vrai, voilà un fétiche qu'on ne voit pas souvent, pas beaucoup dans le monde du porno. Alors, j'ai décidé quand même de trouver quelques classiques pour toi qui aiment tous les fantasmes qui tournent autour du problème problème pour marcher, pour tous les gens qui boitent et tout et tout. Et du coup, est-ce que tu as des idées de porno pour Saint-Clément ou est-ce que tu es prêt à entendre les miens? Ah oui, alors attends. Oui, vas-y. Attends, non, je suis pas prêt, mais vas-y. Je sais pas, t'étais en train de te masturber sur le... T'es dégueulasse quand non, même. Non, je suis en train de préparer les alors, alors du coup, pour les abasophiles, vous qui êtes amoureux de tous ces gens qui ont un petit souci pour marcher, que ce soit béquille, fauteuil roulant ou autre,
J'ai trouvé une petite liste de porno qui pourrait vous satisfaire parce que le monde du porno ne pense pas vraiment à vous. Alors, le premier des films s'appelle À Courchevel. C'est Ski Raclette Levrette. Tu le connaissais, celui-là? Un très bon classique. Attention, parce que ça peut donner des idées de t-shirt. On en a parlé la semaine dernière, je les ai notés. Il y avait une Alors, histoire après, de Martienne on a un deuxième... et de Fan Fontaine ou je sais plus quoi. Mais... je l'ai gardé de côté, t'inquiète. Alors, du coup, on a un deuxième film pour les abasiophiles qui est un peu plus spécifique, mais ça s'appelle Le plan des bâtons de Monsieur Haas, très connu. On en a un deuxième un peu plus léger, un peu plus romantique, qui s'appelle Remontée mécanique pour une belle descente de rein. On a... Celui-là, il est pas mal. On en a un troisième qui s'appelle Becky du matin cherche une bonne prise en main. C'est un classique aussi. Un film un peu plus commun et sur le monde du travail, mais qui pourrait t'exciter, petit abasiophile qui m'écoute, ça s'appelle Chaise roulante pour secrétaire bien roulée. Je l'ai beaucoup aimé, celui-là. Un grand classique du cinéma italien Western Spaghetti, c'est on l'appelle Triple Pâte. Et une dernière qui est presque même une allégorie à l'enfance, qui finalement vous revient en pleine face, le film s'appelle Elle boite, la cochonne du bois joli. Voilà. Donc le plus important à retenir dans tout ça, c'est que finalement, qu'elle court, qu'elle saute, qu'elle boite, qu'elle roule, la maladie de l'amour trouve tout le moyen d'avancer et de vous rendre heureux. Et j'espère, petit abasiophile, que je t'ai rendu heureux avec tous ces films basés sur ton fantasme. Voilà. La première était pas mal. Courchevel, c'est ce qui raclettera Levrette. Moi, j'aime bien le remontée mécanique pour une belle descente de rein, je sais pas. Je trouve ça presque romantique, tu vois. Ouais, surtout qu'on n'a pas le droit au remontée mécanique. Elle est trop technique à mettre sur un t-shirt. Ah putain, mais tu m'as fait chier. Ah, mais le plus dur, c'est de trouver. Mais la basiophile, ouais, c'est quelqu'un qui a ce sentiment de « Oh mon Dieu, elle marche pas bien, du coup, ça m'excite. » Et je me suis dit « Putain, tu peux tellement faire des films dégueulasses sur ça. » J'ai craqué, c'était obligé. Ah du coup, là voilà, qu'est-ce qu'on pense le chat pour ce soir, mon Gilou. Merci pour ce soir. Écoute, on va se faire une dernière petite pause musicale. Après, on va partir sur des au revoir. On aura le moment du morceau cool qui n'est pas un morceau de métal, mais dans une émission de métal pour clôturer cette émission. Oui. J'ai fait pleurer le chat et je suis content. Ah oui, non, je suis content ça... qu'on arrive à parler de sujets super sérieux qui, la plupart du temps, tu raconterais ça, tout le monde te dira « Ah, mais c'est dégueulasse ce fantasme !» Mais qu'on arrive à le faire avec respect, à le partager et à en rire, puisque du coup, ça dédramatise le truc. Je trouve ça super classe, finalement. Alors, c'est aussi coup, ça, le partage. Du coup, voilà, je disais, on aura ce petit morceau qui clôturera l'émission avec... la nouveauté, le glam versus core qui s'ajoutera par-dessus. Vous le verrez à l'écran, il y aura un vote entre deux albums. En même temps, il y aura un vote dans le chat, comme on l'a fait deux fois ce soir. Il faudra voter. Shuki, je te dirai de le lancer un petit peu avant que je lance le morceau, comme ça on aura le temps. Voilà, il faudra voter entre deux albums et le gagnant du vote sera ajouté à la base musicale et on s'en passera un morceau la semaine d'après. Voilà, c'est tout bon. Comme ça, c'est vous qui maîtrisez le son qui passe demain. Exactement. Ah non, la semaine prochaine. En attendant... Attends, on est quel jour? Allez, du coup, en attendant, on va s'écouter un petit Motley Crue. Hein. She Goes Down, ça tombe bien, avec la chronique que tu viens de nous faire, mon Gilou. Et puis on part sur Dead Like Juliet, Alone or Together. T'es mort de rire? Le cheese goes down, bah ouais, elle s'est fait couper, elle a perdu la motricité de ses jambes, mais bam, elle est tombée par terre. Oh la vache, pour les abasiophiles. She goes down. Ah la vache. Bah, allez, à tout de suite. Mais toi, j'ai eu l'image en tête, dégueulasse. Va. Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Leader.
She goes down. The backstage pass, she goes down. With all of my friends, she goes down. She gives heart attack, she goes. Allez, on est de retour sur l'antenne de Fréquence Métal. Vous êtes bien toujours dans Glamcore. Il est 22h56, il nous reste à peu près 4 minutes ensemble. On va bientôt se dire au revoir. Je n'ai pas assez de temps pour dire au revoir à tout le monde en 4 minutes, monsieur. Ouais. Et j'ai un Ce retour pour... dégueulasse. Non, c'est bon, j'ai plus. Ça passe. Non, non. Ça passe. Non, ça passe. Début, ou j'avais ça... un retour de ma voix, c'était un peu chiant, mais c'est bon. Ça venait de toi. Ouais. Ça passe sous ce qu'a cassé le prochain titre du fantasme que je dois décrire. Non, je déconne, c'est dégueulasse. Alors du coup, tu commences ou je commence pour merci et les armes. Honneur à toi. Eh ben merci, honneur que je rejette. Salut, je te mute. À bientôt. Merci connard, à la prochaine. C'est les mecs qui pètent un plomb.
Non, alors, première merci. Bah, déjà, je vais remercier Chad encore pour le geste que tu as fait cette semaine. Ça peut paraître peut-être un geste un peu normal, un peu banal pour toi, mais pour nous, ça nous a juste mis beaucoup de baume au cœur à un moment donné où, comme tout avait planté, on commençait méchamment à péter un plomb. Du coup, un grand merci. C'est tombé pile poil au bon moment. Ça nous a fait monter la petite larme, donc voilà. Merci à Projo d'avoir partagé ce bout de mail que tu as reçu, qui nous concernait. Finalement, c'est pareil, gros plaisir. Je ne pensais pas qu'on ferait autant plaisir à ce groupe-là, mais ça a été un bonheur de le recevoir. Donc voilà. Et puis, je voudrais surtout vous remercier tous, vous qui êtes là ce soir, parce que l'émission a été décalée complètement à l'arrache à cause de Twitch hier. C'est vrai qu'on n'a pas forcément... On a essayé de communiquer au mieux, mais on n'est pas encore doué pour ça. Et pourtant, vous étiez là ce soir. Donc voilà, ça nous fait plaisir, parce que je pense que si on avait dû monter une émission à vide ce soir, ça nous aurait mis un sacré coup au moral. Mais du coup, voilà, vous étiez là, vous êtes adorables. Juste, restez comme vous êtes. Ça me fait le plus grand bien, cette émission, de pouvoir partager avec vous. Et je suis très, très fan de continuer à faire ces émissions le mardi, mon Clément. Alors, Chouki me dit, je t'ai donné des... Mets juste le nom des groupes. Mets juste le nom des groupes, c'est pas grave. Et tu lances le poll, là, tu lances à partir de maintenant, tu mets 4 minutes et puis on est bon, quoi. Voilà, voilà. Alors, du coup, merci à tous d'avoir été là ce soir aussi. C'était un plaisir de pouvoir faire cette émission qui a malheureusement été décalée à cause de Twitch hier soir. Gros souci, gros pépin. J'espère que ça a été un peu mieux pour vous ce soir au niveau de la qualité d'écoute. Je sais que la qualité visuelle a été réduite, mais ça devrait pas trop tarder. Demain, Inch'Allah, rendez-vous à 18h sur les internets. Avec une... Oui. De toute l'émission, je crois que j'ai eu que 2 coupures. Et effectivement, ils ont fait un gros boulot Twitch, merci à eux. Bah surtout, j'ai fait un gros boulot sur OBS pour pas que ça coupe. Du coup, rendez-vous voilà, demain à 18h avec une personne qui m'expliquera la fibre, savoir ce qu'il en est chez moi. Donc peut-être que d'ici quelques semaines, ça sera bien mieux. Plein de bisous, nous on va se quitter du coup avec le moment du morceau cool qui n'est pas un morceau de métal, mais dans une émission de métal, et je pense que cette chronique changera, il faudra que je trouve un nom, parce qu'elle est combinée à autre chose qui s'appelle Glams vs Core. C'est un vote que vous allez voir apparaître sur votre écran. Ce soir, il oppose 2 albums, un album de glam signé Black Diamonds, l'album s'appelle Notel Hotel, et le deuxième album c'est Architect for Those That Wish to Exist. Je vous invite à voter sur le poll qui a été fait. On va se quitter avec une reprise de... une reprise faite, on va dire ça comme ça, par Los Cost et Gary Clark Jr. C'est une reprise du morceau A Change Is Gonna Come. Très bien pour terminer cette soirée. Je vous fais plein de bisous. On nous dit la chibre. La chibre. Et oui, le pouce à chibre est en train de gagner, même chez Clément, le pouce à chibre. Qui a été lancé il y a 3 ans est en train de gagner. Carrément. C'est beau, ça. Alors, par contre, il faut départager. On ne fait pas un 50-50 sur les votes, s'il vous plaît. À la semaine prochaine pour Glamcore mardi soir, 21h-23h. Et vendredi soir, cette semaine, de 20h à 23h. Plein de bisous. À bientôt. Up there, neon sky.
Je reprends la parole rapidement pour vous dire que du coup, la semaine prochaine, nous ajouterons l'album de Black Diamonds à la playlist, puisque nous avons eu 5 votes pour Black Diamonds et 4 pour Architect. Ne vous inquiétez pas, les albums sont susceptibles de réapparaître. Ne vous inquiétez pas, les albums sont susceptibles de réapparaître dans des prochains votes. Il y en aura un, je vous le rappelle, toutes les fins d'émission. Donc, voilà. Des bisous, bisous, à bientôt.